Depuis le 25 septembre, un centre de dépistage des infections sexuellement transmissibles a ouvert ses portes à Luçon. Situé à la Maison de la Santé, chemin du Gâty, ce centre, le quatrième en Vendée, permet des consultations gratuites, anonymes et sans rendez-vous. Chaque mardi, de midi à 14h, une permanence est donc ouverte et le public peut s'informer ou consulter un médecin en toute discrétion. C'est ouvert à tous. Vous pouvez venir donc consulter, c'est sans rendez-vous, c'est anonyme et c'est gratuit. Donc vous venez nous voir, vous passez devant l'infirmière qui peut vous donner des conseils et qui vous propose donc de patienter en salle d'attente la consultation. Si ce centre est ouvert à tous, le public touché reste majoritairement jeune puisque près de 70% est âgé de 14 à 30 ans et la principale inquiétude demeure le VIH. Alors ils viennent donc essentiellement pour connaître leur statut vis-à-vis du VIH. Et donc nous, au niveau du centre, nous faisons ce dépistage bien sûr, mais nous étendons donc à toutes les infections sexuellement transmissibles, qui sont donc notamment les hépatites, la syphilis, les gonocoques et le chlamydia. Concernant le VIH, les personnes touchées bénéficient immédiatement d'une prise en charge spécialisée. Pour les hépatites, les malades sont orientés vers un service de gastro-entérologie. Enfin, pour les autres infections telles que la chlamydia, le centre délivre immédiatement et gratuitement un traitement. Mais le travail à faire est énorme, car malgré les campagnes, le dépistage reste encore trop peu pratiqué. Ainsi, dans les Pays de la Loire, seul un jeune de 15 à 24 ans sur 6 s'est fait dépister. Quant aux pratiques sexuelles, là encore, il y a encore beaucoup de comportements à risque, par inconscience ou par méconnaissance. Beaucoup ont des rapports non protégés, et donc courent un risque vis-à-vis d'une contamination du VIH. Donc là, il y a une information à faire passer. Sur le rapport protégé, qui semble très importante, qui est relayée bien sûr au niveau du corps enseignant, du corps médical, de la presse, mais le message n'est pas toujours bien suivi. Pour remédier à ce problème, le centre de dépistage, outre sa permanence, peut aussi se déplacer pour assurer une information auprès d'un public ciblé. Donc le centre, en dehors donc, des consultations, peut également donc, se déplacer au niveau donc, des lycées, collèges, également au niveau des associations pour des séances d'information vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles. Le centre est donc ouvert à Luçon le mardi de midi à 14h à la Maison de la Santé. C'est sans rendez-vous, anonyme et gratuit.